André. Bébé. André. Oui, bébé. C'est combien de fois je t'ai appelé? Ok, c'est bon, tu as raison, plusieurs fois. Okay. J'aimerais te demander une chose. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Comment peux-tu me poser cette question, bébé? Tu sais très bien que je vis pour toi. Ok. Je t'aime, chérie. Bien sûr. Oui, ma princesse. Je t'aime, bébé. Ok. Et si je te demandais de faire quelque chose pour moi, me feras-tu? Bien sûr. Je ne vis que pour toi. Et dis-moi, depuis quand on vit ensemble, est-ce que je t'ai une fois refusé quelque chose? Alors, arrête de me mettre dans les suspens là. Où veux-tu en venir, bébé? Je veux que tu renvoies ta petite soeur de cette maison. Est-ce que tu m'as bel et bien compris? Je veux que tu renvoies ta petite soeur de cette maison. Et tu n'as que 12 heures. Tu as compris? 12 heures. Ma petite soeur l'a renvoyée de cette maison. J'espère que ça a marché. Maman, même scénario. Dieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand que mon fils va retrouver du travail? C'est quand que mon fils va trouver du travail? S'il te plaît, fais quelque chose pour lui. Je t'en supplie, mon Dieu. Toujours le même. Depuis le décès de mes parents, ça ne va plus. Je vis vraiment une vie de misère. Partout où je passe, on se moque de moi. Regardez ce village. Qui n'évolue pas. Toujours le même depuis le temps
mes grands-parents. Je n'en peux plus. Il faut vraiment que je parte en ville. Oui, j'irai me chercher en ville. Aïe. Ce village est vraiment maudit. Oui, c'est un village maudit. J'irai me chercher à Ouaga. Oui, j'irai à Ouaga. J'irai tenter ma chance à Ouaga. Renvoyer de cette maison. Mais oui. Zainab, tu m'empoisonnes la vie. Ici, c'est chez moi. Je veux que tu libères notre maison. Ça te coûte quoi d'aller chercher pour toi? Va, je te donne la liberté, va chercher pour toi. Et laisse-moi vivre en paix avec mon mari. Je te dis, bravo. Bravo, madame. Mais tu es fou d'un journalisme. Écoute-moi très bien. Va demander à ton mari pourquoi sa première femme est morte. Hein? Oui. Si tu t'amuses avec moi, moi Zainab, je vais t'envoyer faire la connaissance à ta co-épouse. Je te dis, fais très attention avec moi. C'est moi Zainab qui te parle. Hey. Zainab. Qui me fait ça dans ma propre maison? Maman. 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 Pas maman là. Oui. C'est combien de fois je vous appelle? Trois fois. Trois fois. Pourquoi? Cela arrive à moi seul. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que tout ça, ça m'arrive? Moi, Max, qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai tout fait pour réussir à l'école. Fini mes études. Qu'est-ce que je n'ai pas? La licence. Master et le doctorat. Jusqu'à présent, dans une vie misérable et dans une maison misérable, aujourd'hui, mes promotionnaires, mes amis, ont construit des grandes maisons. Il roule même dans les grands véhicules de luxe. Maman, et moi, toujours dans la misère, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait, maman? J'ai tout fait pour réussir à l'école. C'est comme si je n'ai pas étudié. Mes professionnels, mes amis, ils ont construit des grandes maisons, des maisons de luxe, et même dans les véhicules de luxe. Jusqu'à présent, moi, Max, toujours dans cette misère. Mon fils, calme-toi. Ça n'a pas commencé par toi.
ton grand-père. Le grand-père de ton grand-père. Tes ancêtres ont tout fait pour être riches, mais rien. Ton père, c'est où il n'est pas allé? C'est qui il n'est pas parti voir? Juste pour être riche. Mais ça n'a pas marché. Mais toi, mon fils, je te promets que tu seras riche. Oui. Je vais tout faire. Moi, je te le promets que tu seras riche. Même si ça va coûter ma vie ou la vie de quelqu'un. Toi, mon fils, tu seras riche. Maman, je te jure. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Et je te le promets. Mon fils, je te promets. Il faut avoir confiance à ta mère. Regarde ma maison. Moi, ma maman. C'est pas chambre salon. Entrée couchée. Imagine. On a bossé ensemble. J'ai la licence, master et le doctorat. Toi qui as master, moi j'ai le doctorat. Mais regarde comment tu es aujourd'hui. Moi, Max, toujours dans cette misérable de vie. Quelle misère! Je n'en peux plus. Cette vie-là, j'en ai marre de cette vie. Je comprends tout ce que tu traverses. Tu comprends quoi? Comprends, toi, tu comprends? Félix, toi, tu comprends? Toi qui vis dans une maison de classe et dans une véhicule de luxe comme ça, puis tu dis, tu comprends? Tu comprends quoi? C'est moi qui comprends. C'est moi qui suis dedans. Donc, arrête ça. Max, j'ai dit, je comprends ta situation actuelle. Tu sais, la vie est faite de persévérance. Il faut avoir la foi pour pouvoir aller de l'avant. La foi, tu dis? Bien sûr. La foi, il est où? La foi est où? Mon frère, ne me dis plus que tu ne crois pas. Ne me dis pas ça. Bon, bref, laisse ça. Dis-moi, demain matin, qu'est-ce que tu fais?
Tu viens encore. Mon programme? Quelqu'un qui ne fait rien, qui n'a rien. Tu me demandes quel programme? Félix, tu te moques de moi? Tu me laisses même pas finir. Tu as quoi comme programme demain? Hé, Torosé, il n'y a pas de programme. Bon, demain matin à 7h, tu peux bien t'habiller. Demain matin à 7h, je vais venir te chercher. Sincèrement, sois très bien habillé. On va aller où? Où, Félix? Ah. Je te dis, habille-toi très bien. Demain matin à 7h, je suis devant ta porte. Attends. Je ne suis pas dans l'affaire de maquiller. J'en ai trop vu. Toi qui paies chaque fois les factures. Et moi, je peux plus. Il faut arrêter ça. Mon frère, dès l'instant où je te parle, commence à te dire que tu es devenu un chef comptable dans une entreprise. Quoi? Je te dis que tu es chef comptable dans une grande entreprise appelée Baco Confection. Hé, hey, tu dis quoi? Mais je te dis, c'est la nouvelle qu'elle a. Tu dis quoi? Moi. Bien toi. Chef. Comptable. Comptable dans une entreprise. Oui. Youpi! Mais reviens, c'est pas fini. Reviens là, c'est pas fini. Je t'informe que ta ville est déjà prête. Tu as déjà une voiture et tu as un salaire. Oh. 1 million 200. Oh. Max, qu'est-ce qui se passe? Allons-y. Le DG qui devait t'embaucher est décédé hier. Quoi? C'est lui qui devait m'embaucher? Est décédé hier nuit? Ah! J'avais dit, tu ne crois pas, voilà. La misère là, c'est mon ami, mon pire ami même. Grand frère, tu m'as fait appeler. Est-ce bien ce que tu as dit à ma femme à propos de ma première femme? Oui. Est-ce bien ce que tu as dit à ma femme à propos de ma première femme? Enfant, tu dois choisir entre ta femme et moi, ta petite sœur. C'est tout ce que j'ai à te dire. Si ta femme et toi, vous me cherchez, vous allez trouver Zénab sur votre chemin. Tu connais pas Zénab, tu connais ta petite sœur. Si vous persistez à me chercher, tu sauras de quoi notre mère est-elle morte. Quoi? Oui, tu as bel et bien entendu. Méfiez-vous de moi. Méfiez-vous de Zénab. Félix, donc tu voyages comme ça? Tu vas prendre ton avion, partir me laisser. Mon frère, je ne peux pas te laisser. Tu sais pourquoi je pars? Je t'ai expliqué ce que le projet. On m'a fait un appel. Bon, je pars pour discuter avec ces gens-là d'abord pour voir comment ça va se passer là-bas. Et je sais qu'arrivé sur le terrain, je vais parler aussi de toi pour que tu puisses me rejoindre dans les jours à venir. Toi, tu voyages. Toi qui m'aidais un peu là. Il a fait comment maintenant? J'essaie de voir si je pars pour ce voyage. C'est pour qu'on puisse avoir un avenir meilleur. On va améliorer un peu la situation aussi, n'est-ce pas? Imagine-toi, moi j'arrive là-bas, je travaille. Je te fais appel. Tu ne dis pas que c'est une bonne chose?
comme tu l'as dit, j'espère que ça va aller. Non, laisse, ça soit positif. Tu sais, il faut souvent sourire à la vie. Et la vie va te sourire en retour. Trop bien. Après, comment? Bon. Ce que je peux, moi, faire, te souhaiter vraiment un bon voyage. Merci. Et que, surtout, Félix, pas m'oublier. Tu vois comment est ma vie ici. Tu sais, Félix, on est des frères, non? N'est-ce pas? Bon, laisse ça. Je ne veux pas te dire, ok? Pas te dire. Je t'en prie. Ok. Voilà. Je vais demander la route. D'accord. Tu sais, ici, voilà, ça fait que je suis 500 km en diable. Il faut que je demande la route à partir. Voilà. Et je veux vraiment que tu gardes la foi. Ne t'en fais pas. Je vais tout faire. Je vais aller te voir avant qu'on puisse se retrouver. Il n'y a pas de problème, ok? Voilà, il faut qu'on révise un peu le français de l'identité, là, n'est-ce pas? Voilà, donc, laisse-moi aller là, tu verras qu'on est là. Allons-y. Ok, donc. Madame. Encore amoureux. Si j'ai bien compris, tu veux que ton fils soit riche? Oui, encore amoureux. C'est mon seul fils. Faites quelque chose pour nous, s'il vous plaît. Ton fils ne peut jamais être riche. Tu sais pourquoi? Non. Parce que un de ses aïeux avait eu un problème. Et il a dû faire un sacrifice. Et ce sacrifice, il a tué une femme enceinte. Cette femme enceinte, avant de mourir, elle a maudit toute la famille. Elle a maudit jusqu'à la septième génération. Et tu sais très bien que ton fils est dans la troisième génération. Donc, ton fils ne peut jamais être riche. Maman, s'il te plaît, fais quelque chose pour mon fils. Encore maman, pardon, je vous en supplie. Faites quelque chose pour mon fils. C'est mon seul fils, s'il vous plaît. Moi, je suis prête à tout. Tu es prête à tout? Oui, oui. D'accord. Tu vas rentrer. Mmh. Et tu reviens demain matin. Bonheur. Je dois être la première personne à te voir. Vous devez être la première personne que je dois voir demain matin. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Bien, carrément. J'ai bien compris, carrément. Si tu viens demain matin, tu vas voir ça. Ce que je peux faire pour toi. Anitia Ankaramo. Anitia Anibaragi. Merci. Merci beaucoup, Ankaramo. Ankaramo, je vais demander la route. Merci beaucoup. Ne t'en fais pas. Merci. Et n'oublie pas ce que je te dis. Oui, Ankaramo. Merci, Ankaramo. Zeynep! Zeynep!
Zénab. Oui, mon oncle. Hey, écoute-moi. Je t'ai appelé combien de fois? Hein? C'est vrai ce que ton grand frère m'a dit? Hein? Tu es une fille, tu n'es pas un homme. Le comportement que tu fais dans le village là, tout le village est au courant. Et vous voyez là où tu es. Hein? Pendant ça, un gang royal à Roa. Hein? Tu n'as pas honte. Tu nous mets la honte. La quoi? Entre vous et moi, qui connaît la honte plus que qui ici? Hein? Écoute, grand frère. C'est ce voirien donc là tu allais appeler pour venir m'insulter ici. Hein? Ce misérable là. Zénab. Je suis ton oncle. Hein? C'est moi qui traite de vaurien. Oncle mon œil. Oncle mon œil. Tu as oublié ce que tu as fait? Tu as oublié ce que tu as fait? Écoute bien. Il est le responsable des malheurs de notre famille. Quoi? C'est à cause de lui que notre père est mort. Il l'a surpris en train de coucher avec notre mère. Et c'est à cause de ça que notre père a piqué une crise cardiaque. Et il est mort. Quoi? Et après ça, il a disparu. Quoi? Tonton, est-ce vrai ce que ma petite est en train de dire? Tonton, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Tonton, tu vas parler? C'est le diable. Le diable quoi? Mon œil quoi? Mon œil quoi? Le diable? Tu as osé. Tu as osé. Tu as osé. Rachel. Rachel. Ici n'est pas comme le village. La vie est très dure. Il faut savoir s'y prendre. Heureusement que toi, au moins, tu es descendu chez moi. Les privilèges sont à ton avantage. Je veux voir avec mes contacts pour voir si je peux te trouver un service en attendant. Tu vois, les gens sont très méchants. Ici comme ailleurs. Mais à Ouara, c'est bien pour nous. Les hommes, je n'en parle même pas. Ils abusent des filles. Quand tu n'as rien à faire, c'est leur chance. Mais toi, au moins, tu as de la chance, tu es avec moi. J'ai violé ça tout le temps. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. Ok? Vraiment, je compte beaucoup sur toi. Je compte beaucoup sur toi. Parce que depuis le décès de ma maman, tout a commencé à aller très mal pour moi. Ça n'allait vraiment pas au village. Je n'en pouvais plus. Il fallait vraiment que je vienne à Ouaga. Je te comprends. Je n'ai pas du tout cassé le village. J'y étais. Et c'est de quoi tu parles. Vraiment juste. C'est tout. C'est un certain moment de la vie où Satan doit prendre ses responsabilités. Ce que tu fais, je crois que c'est le bon choix. On va essayer ensemble de gérer la situation. Soyez la bienvenue. Merci, Caramel. J'ai travaillé toute la nuit pour vous. Mais, à vrai dire, c'est très dur et même compliqué. J'ai consulté mes génies.
Mais ce que mes génies me demandent, je ne sais pas si vous pourrez le faire. En Karamoro, moi je vous ai dit, pour le bonheur et la richesse de mon fils, je suis prête à tout. Est-ce que vous pouvez me trouver cette fille vierge? Cette fille vierge? Mais en Karamoro, je peux trouver cette fille là où? Je ne sais pas. En Karamoro, je ferai tout mon possible pour vous envoyer ces 7 filles vierges. Ces 7 filles vierges doivent aller au Marigo, Bourbon Quidra. Oui, pour aller puiser de l'eau. Et c'est cette eau que ton fils va se laver et se libérer de la malédiction. Je vais trouver ces 7 filles. Ce marigot est dangereux. Donc vous dites que ce marigot est dangereux. Mais j'ai un secret pour que ces filles reviennent saines et sourdes. Mais le problème, quand les filles vont revenir, 4 doivent mourir. Hein? Parmi les 7 filles, 4 doivent mourir. Oui. Les 3 représenteront les 3 générations. Et la dernière, c'est la génération. Tu vas suivre. Donc, je pense que si on fait ça, il sera libéré de la malédiction. En Karamoro, pour que mon fils soit libéré et que mon fils soit riche, même si le sang de quelqu'un va couler, je suis prête. Oui, en Karamoro. Maman, cette fille vierge dans ce village-là, c'est impossible. Tiens, pour que moi je devienne riche. Why? Mais pendant qu'il y a Canaria, c'est... Tiens, il y a quoi même? Moi, je t'ai dit de me faire confiance. Non? Hein? Moi, je suis une femme. Si je vois une fille qui est vierge là, moi, je connais. Et puis, c'est cette fille vierge là. On va remuer sel et terre. On va les trouver. C'est quoi? Et puis si tu ne peux pas, la faut laisser. Je m'acharge. Je t'ai dit que je ferai de tout mon possible pour que toi tu sois riche. Non, laisse tomber. Je m'occupe de ça. Maman. Laisse tomber. Aïe. Dans ce village-là, on a vu une fille de 9 ans engrosser et puis mettre des bébés au monde. Bébé, maman et bébé. Où est-ce qu'on va avoir une fille vierge encore, maman? Tu sais, laisse ça. Même si c'est une fille de 1 à 2 ans qu'on a vue enceinte là, on va trouver. Il faut laisser ça. Fais-moi confiance. Je t'ai promis que être riche là, je ferai de tout mon possible pour que tu sois riche. Donc si c'est ça là, il faut laisser. Tu n'as pas confiance? Hein? Dis-moi, tu as mangé? Depuis matin, je n'ai même pas mangé.
Attends. Viens comme ça. Attends-moi. Je vais chercher quelque chose pour toi. D'accord. D'accord. Maman. Adja. Une fille vierge, cette même, dans ce village-là, pour que moi je devienne riche. Ah, c'est pas la peine. Ah. C'est quelle misère ça là. Hé? À l'œil, c'est ça? C'est avec moi, Zénab, tu veux jouer? Hein? Et toi, mon oncle, je peux dire que c'est femme des gens, tu veux jouer? Aujourd'hui, c'est ta fin. Collez-vous là-bas, ne jouez pas avec moi. Ne jouez pas avec Zénab.
Lève-toi. Madame. Oui. Nous sommes à la dernière étape. Mais madame, n'oubliez pas les recommandations que je vous ai données. Oui. La malédiction a levé. Tout travail qu'il va faire, il va être très riche. Même si c'est de l'eau qu'il va vendre au marché, il va gagner de l'argent. Mais toi, où tu iras, que ce soit en ville ou à l'extérieur, tu ne dois jamais te marier là-bas. Hein? Oui. Oui. Hi. Il doit revenir au village. Est-ce que tu as compris? Madame, n'oubliez pas, revenez me voir. J'ai quelque chose pour vous. Vous pouvez rentrer. Merci, grand marabout. Merci. Moi, en tout cas, j'ai fait ce que je devrais faire. Mais je vous laisse le reste. Maman, je comprends tout, mais je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord pour quoi? Avec votre marabout, là, qu'est-ce? Hey! Hey! Toi, tu n'as pas dit que tu étais tu? Tu n'as pas dit que tu étais tu? Hey! Dis que, même si moi je suis ailleurs, de ne pas me marier là-bas. Il faut que moi je vienne me marier dans ce pays et dans ce village-là. Ce maudit village-là. Patronier, j'ai. Hey! Hey, Dé! Pour le moment-là, tu n'es pas à l'état de te marier. Donc calme-toi. Tu suis tout ce que le marabout a dit et on va voir. Et puis, il ne faut pas aller t'entêter là-bas. Hein? J'espère que tu me comprends bien. Elle m'a fait trop de manicure. Hein? Ok. Ce qui est sûr, lui l'a dit pour lui. Mais pour moi, là, ah, je ne peux pas. Hey, Dé! Hey! Ok. N'est-ce que tu fais? Anya fleta. Tu sais pourquoi je suis là? Ma belle soeur me pourrit tellement la vie. Tu n'en peux plus avec Zainab. Elle me fatigue. Hey. Si je suis venue te voir pour que tu trouves une solution à mon problème. Tu ne sais plus quoi faire avec Zainab. Zainab, moi-même qui suis son oncle, elle me fatigue plus que toi. Hein? Hey! Zainab, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ça? Tant que Zainab est là, je n'aurai pas ma liberté. Je crois que j'ai la solution. Tambo? Ouais. Il faut que Zainab disparaisse. Disparaître? Disparaître comment? Faire disparaître Zainab?
Il faut qu'on tue Zénab. Hein? Tuer Zénab? Tu es sûr de toi? C'est pas une solution que tu veux, non? Tu connais Zénab? C'est pas facile de tuer Zénab, hein? Si tu es d'accord, tu me laisses faire le travail. Comme je veux ma liberté, je n'aurai pas le choix. Si, en tout cas, si Zénab est là, ma vie est foutue. Trêve de parole. Le travail m'appartient maintenant. Ok, comme tu le dis. Mais tu dis quoi? Tu n'as pas venu, on va rentrer faire un coup. Aïe, toi aussi. Moi, je viens te voir pour mon problème, tu parles d'un coup. Ah, puis on va rentrer. Ce que j'ai là, ça me suffit déjà. Ah, je vois que tu ne veux pas ta solution. C'est ça qui va me donner l'inspiration. Toi aussi, à faire d'inspiration, tu ne peux pas laisser après, non? Puis on va rentrer. Oui. Il faut laisser après, on va voir ça. Aujourd'hui, là, je n'ai pas la tête à ça. Madame. Oui, encore moi. Vous savez pourquoi je vous ai appelé ici? Non, je ne sais pas pourquoi vous m'avez appelé ici. La fois passée, je ne voulais pas parler ça devant votre fils. Mais, il y a un autre problème. J'ai dit à votre fils qu'il ne doit jamais se marier hors du village. Parce que la première femme qui doit se marier doit sa femme, la première, elle doit mourir. Tu viens comme ça? J'étais en promenade. En promenade? À cette heure-ci de la journée? Oui, que. Attends, tu me prends pour une conne ou quoi? Hein? Tes conneries que tu es en train de faire là, moi je sais tout et je vois tout. Hein? Eh oui. Qu'est-ce que tu me veux à la fin, Zénab? Je t'ai fait quoi? Tu m'as demandé d'être avec ton frère. Je le suis. Pour me laisser respirer un peu. Écoute, tant que tu n'arrêteras pas tes bêtises là, moi je te suivrai comme ton ombre. Tu peux compter sur moi. Tu me connais, non? Tu me connais très bien. Et tu sais de quoi je suis capable. Mansour, Zénab, faut faire pardon aussi. Hein? Si tu veux là, rentre sous terre. Envole-toi comme tu veux. Mais je vais te suivre. Je vais te suivre, tu peux compter sur moi. Je vais te suivre.
Hey, toi, tu me connais pas, hein? Tu me connais toujours pas. Hey. Fais attention avec moi. Tu l'as compris. Espèce de vieille prostituée. N'importe. Mais ce que ton oncle avait dit là, il faut que je le fasse. Je ne voulais pas le faire, hein. Mais il faut qu'on finisse avec Zena. Hein? Regarde comment elle m'a menacé. Il n'y a pas de problème. Mais regarde, avec tout ça là-haut, là où je partais là, je crains que ça ne marche plus. On verra. Oh, Zinabo. Ouais. Tu es très belle. Combien tu m'as tenu? Regarde, tu es la très belle fille du village. Oh, regarde ton passé là. Cool. Ouh. Ton futur là, nickel. Et ton avenir là, c'est avec moi. C'est moi, je vais te marier dans ce village là. Oh, c'est Navo. Attends, on t'a dit que tu es le seul homme de ce village. À part toi, personne ne peut m'épouser. Mais tu rêves. Tu t'es bien regardé. Oui. Écoute, méfie-toi de moi. Méfie-toi de moi. Tu es prévenu. N'importe quoi. Bravo! Ouais! Yeah! Yeah! Et puis c'est mou comme ça. Zinabo! Qu'est-ce que tu viens de faire? Hein? Qu'est-ce que tu viens de faire? Zinabo! Hey, pardon, pardon! Faut plus pardon, jamais faire pardon, ça! Pardon, pardon! Est-ce que tu me connais? Non, pardon, pardon! Tu me connais? Non, pardon, pardon, pardon! Je demande. Aïe! Attends, attends, attends! Hey, dégage! Pardon, je demande pardon. Si tu me vois passer désormais, oui, oui. Ferme tes yeux. Oui, je vais fermer. J'ai fermé. Je m'attends à ça. Regarde, je ne regarde plus. Yeah. Oh. Au lieu d'occuper ta sale mère prostituée là, hein? Qui couche avec le vieux du village, le chef du village. Hein? Tu sais pas ça? Quoi? N'importe quoi. Dégage. Oh, pardon. Imbécile. Pardon. La fille a rien fait me blesser. Attends. Moi, ma mère couchait avec le chef du village. Mais le chef là, il est mort. Oui! Toi là, tu as quel problème? Depuis là, tu fais semblant comme si tu comprends plus rien. Mon affaire de Zénab, elle me touffe. Zénab m'empoisonne tellement la vie. Au lieu de m'aider, tu es là, tu parles de n'importe quoi. Ah. Donc tu es prête maintenant. Mais je l'ai toujours été. Toi-même, tu le sais. Hein? Je n'en peux plus avec Zénab. La dernière fois quand je t'ai parlé, est-ce que tu étais prête? Tu n'as toujours pas compris quoi. Je te dis que Zénab me dérange à tel point que je suis prête à en finir avec elle. Hein? Quand je t'ai dit de venir, on va faire un coup. Qu'est-ce que tu m'as dit? Donc c'est après d'un coup là depuis là que tu ne peux pas m'aider. Hein? Tu sais, dans la vie, dans chaque chose, il y a toujours une inspiration. Hey! Oui, et moi, mon inspiration là, c'est dans ça. Quoi? Oui, oui. Appelle un coup, c'est toi qui tient ton inspiration. Le choix est toujours là. Si tu veux, on fait le un coup et je gère les nappes. Un coup? Tu as bel et bien dit un coup, hein? La dernière fois, je t'ai dit un coup. Je n'ai pas fait. Aujourd'hui, un coup, donc ça fait deux coups. Hein? Tu veux me dire deux coups? Hé! Tu vas pas faire pardon? Si je fais deux coups avec toi, à la maison, je vais faire comment? En plus, il fait très chaud. Hé! Man, sougrouet! Alors,
Va à la maison, ton mari va gérer l'affaire de Zénab. Je n'en ai pas le choix. Bon, tu as dit deux coups seulement. Ok, on va rentrer. On va rentrer. Mmh. Voilà, tu as eu la solution. Tu m'as trop fatigué. J'espère que tu vas régler mon problème maintenant. Non, je vais régler ça. Compte sur moi. Ouais. Je compte sur toi. Hein. Compte sur moi. Zénab, ça tu es dans des problèmes seulement. Tu es là depuis quand? Tu es là il y a longtemps? Tu ne dis rien. Comme tu ne parles pas, tu vois que je suis en train de partir. Paul, tu m'as appelé comment? Tu as osé m'appeler par mon prénom? Je suis ton oncle. Sale oncle, oui. N'importe quoi. Écoute, si c'est pas à cause de mon grand-père là-haut, toi tu peux être mon oncle. Un misérable comme toi peut devenir mon oncle. Hein? Tu as quel problème avec moi? Tu as un problème la avec... Arrête de parler! Arrête de parler, sinon je vais te gifler tout de suite! Tu comprends? Tu vas oser gifler ton oncle? Tu vas me gifler? Écoute... Paul... Je ne suis pas là pour bavarder avec toi. Je suis venu pour t'aider. Ma belle-sœur et toi a fini le travail que vous avez organisé. Quel travail? Quel travail? Mais vous avez comploté de me tuer, non? Je suis venu moi-même. Au lieu que vous allez vous tracasser le crâne, organiser, je suis venu pour faciliter la tâche. N'est-ce pas génial ça? Mais... Qui t'a dit qu'on veut te tuer? Hein? Je vois que vous me sous-estimez. Hein? Tu veux commencer? Je suis prête. Attends. Tu hésites, non? Mais fais-le! Je suis là! Fais ton travail! Hein? Mais vas-y, non? C'est ce que tu veux faire, je suis là. Tue-moi. Tu as peur? Tu vas pas le faire? Hein? Écoute-moi très bien. Attends, Zéna. Ne t'amuse pas avec ça. Si tu me tues pas, c'est moi qui vais te tuer. S'il te plaît. Donc tu as intérêt à le faire. Zéna, vite! Zéna, fais attention à ton couteau. Je sais très bien ce que je tiens. Fais attention à ton couteau, s'il te plaît. Tu as intérêt à me tuer. Ne joue pas avec ça. Tu as peur de ça?
quelqu'un qui veut tuer quelqu'un, tu ne devais pas avoir peur de ça, non? Hein? Écoute-moi très bien. Viens là. La prochaine fois que je viens dans cette maison, c'est ta mort. S'il te plaît, je ne te demande pas. S'il te plaît, je ne te demande pas. Un homme qui supplie sa nièce comme ça? Mais tu regarde comment tu es ridicule. Hein? Regardez-moi celui-là. Ne jouez pas avec moi, hein? Ne jouez pas avec moi! Bande d'incapables. N'importe quoi. Fais très attention à toi. Parce que c'est fini quoi. Hein? Tu connais le plan A. Mais moi je vais commencer le plan B. Ça ne peut pas finir. Hein? Tu as osé me serrer moi mes cols. Marumba! Les chenilles de l'air, j'étais chez moi et j'ai senti que vous voulez me parler. C'est pour ça que je suis là. Je suis là. Je suis là. Grand marabout. Grand marabout. Oui. Tu n'as pas respecté les consignes qu'on a donné. Il est temps de payer. Tu vas ramasser la peau cassée. Au coucher du soleil, tes deux enfants vont mourir. Non, pas mes enfants, s'il vous plaît. Chenille de l'air, s'il vous plaît.